international, le retrait du Burundi qui est effectif. Est-ce que finalement, on ne va pas se retrouver, et là je répète ma question, avec un effet domino? On sait que beaucoup de pays africains ont l'intention, mais il leur manque ce que Patient Parfait nous a appelé le courage. Avant de poser la question à votre permission, je voudrais rapidement apporter toute ma solidarité à ce qui a été dit concernant le Front Polisario. Oui. Rappelez que l'État du Maroc, le Rhum chérifien, c'est un royaume colonial. Le Front Polisario est en situation de colonisation par le Maroc. Oui. Ça doit cesser. Les pays africains ne peuvent pas avoir de la dignité face au monde en tolérant la colonisation directe en leur sein, en ce siècle-ci. Et je pense au grand Robert Mugabe, qui est l'un des rares chefs d'État africains, encore à rappeler ça dans le sommet de l'Union africaine. Je rappelle la question du Polisario, oui. Robert Mugabe. Et vous allez voir la similitude, que ce soit M. Ouattara, une fois de plus, qui s'est illustré encore dans un antipatriotisme et dans une détestation politique du continent africain. Une fois de plus, on vient encore de le voir. On ne va pas nous qualifier d'avoir quelque chose contre la personne, Ouattara. Mais ses actes au quotidien sont contre l'Afrique. Vous ne pouvez pas haïr votre continent comme ça, comme M. Ouattara le fait. Là encore, il vient de se distraire dans toute la question. Il faut rappeler que M. Ouattara a eu le courage d'interdire à l'avion du président Mugabe, qui était président de l'Union africaine, d'atterrir à Abidjan. Et l'Union africaine n'a rien dit. Ouattara a eu ce toupet. Quand vous comparez M. Ouattara à Mugabe, il y a match. C'est que Mugabe incarne. Ouattara va incarner sa camp dans sa vie. Mugabe incarne le progrès. Mugabe incarne l'histoire du continent africain. Mugabe incarne la conquête de l'indépendance. Ouattara incarne la réaction la plus honteuse, abjecte au niveau du continent africain. Monsieur Ouattara incarne, n'est-ce pas, la honte, ce qui a de honteux à l'Afrique aujourd'hui. Il défend le franc CFA. Il défend la France. Tout ce qui va contre le continent africain, Monsieur Ouattara incarne ça. Et il a osé empêcher à Mugabe, un papa, une grande figure, qui a mené tous les combats de libération du continent africain, qui continue aujourd'hui à incarner la résistance à l'impérialisme occidental. Il est interdit d'atterrir à Abidjan en tant que président de l'Union africaine. Le lien est clair. Donc moi, je voudrais apporter tout mon soutien au Front Polisario, à tout ce qui a été dit par les uns et les autres. Je voudrais aussi apporter tout mon appui à ce que Parfait m'a dit tout à l'heure. Non seulement sur la question de bien mal acquis, sur laquelle je trouve qu'il a été magistral, mais aussi sur la question du peuple. Je voudrais dire deux ou trois mots là-dessus. C'est très important qu'on enseigne aux Africains ce qu'on appelle le peuple. On y met tout et n'importe quoi. Et vous allez voir souvent, moi je suis très prudent. Parce que bon, notre expérience dans la lutte nous amène quand même à dire que bon, on en sait un peu, on connaît un peu seulement, sur ce qu'on appelle le peuple. Donc j'étais très content qu'il introduise ça aujourd'hui par le livre. Je voudrais seulement ajouter ceci, à la suite de ce qu'il a dit, que quand on parle du peuple, ça a à voir avec le labeur d'abord, du point de passer. Monsieur Badiou là, et les Bourdieu sont des écrivains. Je crois que Badiou c'est un philosophe et Bourdieu c'est un grand sociologue, comme il a si bien dit. Mais ce sont des sociologues de gauche, c'est-à-dire quoi? Des gens qui sont aux côtés du peuple face au capital. Il faut rappeler ça. C'est très important. Quand on parle de Bourdieu et de Monsieur Badiou, et dans ce sens-là, quand on parle du peuple, ça a d'abord à voir avec le labeur, la souffrance, face à la violence du capital et de l'impérialisme. Dans ce sens, quand on parle du peuple, on parle de tout ce qui lutte contre la violence du capital. Il faut l'appeler ça. C'est faux. Quand on parle de la structure, même au niveau de la théorie, de la notion du peuple, ça renvoie d'abord à la lutte contre le capitalisme, à la lutte contre l'exploitation. Et le capitalisme est celui qui porte l'exploitation au cœur de la vie humaine aujourd'hui. Donc ça renvoie à ça. Et deuxièmement, ça renvoie à la conquête d'abord des droits sociaux, économiques d'abord, qui sont la condition des droits soi-disant politiques. Je dis ça pourquoi? Parce que dans un contexte où on veut réduire le peuple à la revendication d'un droit de l'hommisme, oui, et d'un démocratisme qui a une visée impérialiste et colonisatrice sur le continent africain aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, quand le peuple réclame le pain, quand il réclame la bonne vie, quand il réclame la santé, quand il réclame l'écosystème propre, quand il réclame la souveraineté, on dit que ce n'est pas le peuple. Il est seulement le peuple quand il réclame les élections à deux tours. Quand il réclame le départ des dictateurs. Et ça fait plaisir à l'Union européenne, à la France, aux Occidentaux. Donc je voulais seulement compléter ce qu'a dit Parfait Ndom. Ça veut dire que le peuple suscitait un autre débat. Oui. D'accord. Sur le Burundi, la CPI, très voilà, rapidement. Donc pour dire que le courage en politique, Parfait l'a évoqué,
le programme a inscrit dans la profondeur historique. Je voudrais convoquer une figure de l'histoire, Nasser. Oui. C'est pourquoi Nasser est entré dans l'histoire. Vous nous le dites. La nationalisation du canal de Suez. À un moment donné dans l'histoire, lorsque vous avez accumulé un ensemble d'éléments matériels, historiques, sociologiques et même géopolitiques, il reste le courage. Parce que souvent, malgré tout ça, vous vous dites, si je fais, je n'ai pas de garantie. Mais l'homme qui entre dans l'histoire, c'est lui qui fait, même sans garantie. Et Nasser est entré dans l'histoire parce qu'il a nationalisé le canal de Suez. Et ça fait changer quelque part les rapports géopolitiques au sein du continent, au sein du continent africain. On appelait ça le nasserisme. Hein? Le panarabisme nasserisme. Oui, oui, non. Nasser est entré dans l'histoire pour ça, de façon fondamentale. Donc, il faut le courage. Moi, quand j'écoute la question du Burundi, je le dis avec une certaine émotion. Et parfois, il me chapuie souvent avec 109. Oui. Comme la question du Burundi, il me chapuie avec 109. C'est-à-dire, il faut être modeste. Mais j'allais dire, c'est une autre victoire. Parce que nous avons été isolés ici pour défendre ce monsieur, qui était pourchassé par l'impérialisme et ses suppôts de l'intérieur, avec le démocratisme primaire, les criminels qui se posent en défenseur des droits de l'homme, les États-Unis, l'ONU, l'Union européenne, qui sont les plus grands violeurs des droits de l'homme que le monde ait connu, se posent en donneur de leçons sur la question et ont fait de ce monsieur un bouc émissaire totémique qu'il fallait manger pour être fort. Et ce monsieur a résisté. On l'a diabolisé. Les Africains et certains médias sont entrés dans le jeu. Nous avons défendu ce monsieur. Et qui nous fait la fierté aujourd'hui? Qui est le seul à appliquer une des revendications fondamentales du panafricanisme de ce temps aujourd'hui? C'est M. Nkurunziza. Donc il faut du courage. Et moi je le salue et je suis fier de l'avoir soutenu. Et nous allons continuer à le soutenir. La leçon qu'il me donne et que je voudrais transmettre à certains dirigeants africains est celle-ci simplement. L'Union africaine, à l'issue d'une conférence de chefs d'État, a pris la résolution de sortir de la CPI. L'Union africaine a fait. Donc, quel est le président de l'Union africaine? J'interpelle ici le président Condé, je crois, qui est encore à la tête de l'Union africaine. Oui. Donc, il doit donc prendre sur lui de faire appliquer une résolution de la conférence des chefs de l'État, des chefs d'État. On ne peut pas violer ça. Cette résolution était de quitter la CPI. Alors, aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour en quitter, d'attendre quoi? J'entends de quoi? C'est vrai pour tous les présidents qui se sont le panafricanisme. Le président Déby, le président Obiang Mambazogo, le président Biya, tous ces présidents-là, il faut appeler. D'abord, le Cameroun n'a aucun problème là, puisque le Cameroun n'a pas ratifié. Il n'est pas concerné. Voilà. Donc, tous ces présidents doivent suivre l'exemple du Burundi. Je voudrais terminer avec votre permission en disant ceci. Nous l'avons démontré ici. Le débat ne se pose même pas. Moi, j'ai toujours dit, pour moi, c'est le principe même de l'existence de ces pays qui a un problème. C'est-à-dire, moi, c'est le principe. Moi, je suis toujours resté au niveau du principe de son existence. On a justifié en disant que, bon, quand même, il faut lutter contre l'impunité, il faut marcher. J'ai dit non. Cette affaire ne doit même pas exister. Et maintenant, quand on voit ces dirigeants, ces différents procureurs, qui sont des voyous, des délinquants, au campo, voyous, délinquants, un soudat, complice direct d'un voyou, d'un délinquant. C'est-à-dire que quand on voit des gens comme ça nous parler de justice internationale, on a envie de tout casser dans ce monde. Très bien. Mais...